Oui, cette vidéo. Eh ben, il n'a pas vraiment réussi. Depuis 1990, environ 200 jarchés ont été testés pour pouvoir participer à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et Rebello, cet homme, s'est avéré être le plus apte à réussir. Mais les organisateurs voulaient un archer catalan, parce que ça sera à Barcelone. Le problème, c'est que Rebello est madrilène. Bon, je ne l'explique pas, hein, mais Madrid et Barcelone, bon, c'est pas copain copain. Ils lui ont demandé quand même s'il pouvait pas enseigner son savoir-faire à d'autres archers, pour pouvoir les prendre eux et pas lui, sauf que lui, il a dit bah non, ça marche pas comme ça, les gars. Donc ils ont dit bon, bah, on va quand même te choisir. Il s'est entraîné 700 fois avant cette vidéo, et il a raté son coup que 2 fois. Mais bon, les organisateurs ont eu peur, ils se sont dit quand même, bon, on sait jamais, on va prévoir un système automatique qui va lancer la flamme toute seule s'il se rate. Ce qui était prévu. Mais quand il a tiré, on le voit peut-être pas bien dans la vidéo, sauf que la flèche tombe pas dans le chaudron. La flèche passe au-dessus. Mais elle passe assez bas pour allumer quand même la flamme grâce au gaz qui s'échappait du chaudron. La flèche, elle, a été retrouvée totalement carbonisée, hein, normal, plus tard, hein, après la cérémonie, dans une zone qui a été délimitée exprès, parce qu'ils savaient qu'elle allait être vers là. Et elle a été donnée au musée olympique de Lausanne.